De Miguel Igualito. Regardez-moi ça, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Regardez-moi ça, c'est pour vous les gars. La moustache et les épaules et les épaules super larges. Donc là il est de passage à Reims. Et en plus on est revenu dans cette salle. Hein. On dit pas le nom, mais vous avez bien remarqué qu'on est revenu dans notre salle. La salle jaune et noire. Tu as la salle orange, la salle jaune. Ouais, on a marre de la salle orange. Du coup bah là. Les blagues racistes, la salle jaune. Je suis jaune en plus. C'est pour ça. Ça se fait pas. Bref, alors aujourd'hui on va faire les épaules. Comme d'hab qu'on est avec Miguel, et ben on suit ses séances. Une fois on avait fait les pecs, la dernière fois on avait fait le dos. On a fait les jambes, on a plus fait. Hein. Il y a longtemps les jambes, j'avais fait les épaules. Ouais, j'avais fait les épaules. Fait les épaules, c'est vrai. Donc là ben, on va suivre sa séance, on va essayer de le suivre. Donc c'est bien parce que quand on est avec lui, ben, on découvre des nouvelles méthodes. Ouais. Et puis des fois on essaie de mélanger, des fois on rajoute des trucs à notre sauce et tout, et puis voilà quoi. On innove, on mélange, c'est ça ce qui est bien. Voilà, t'as quelque chose à dire à nos abonnés? Non, ça va. T'es sûr? Allez, c'est parti le camp. Et 12 on fait drop et après on fait 20 secondes d'iso. Can you repeat please? Non, j'ai fait ma série. Répète, allez répète, je sais que t'as même pas parlé mais répète, on fait quoi là? De bâtard. Allez. Là on fait 3 séries, 18 reps, 16 reps, 14 reps, 4ème série, 12 reps, on drop et ensuite iso 20 secondes. Après on va vous montrer comment on fait. Ok. La poésie à l'école. Moi perso j'ai rien compris mais ah je non, le suis. Regardez, le mieux c'est en image. Ah!
Je suis un voyou avec ma voix de pédale. Donc on a fait du 4x10, 4x10 rep, le temps de récup c'était une 30, le temps qu'on tourne tous les 3, donc ça fait à peu près une 30 max. Et donc là on est sur une machine
Et Hammer, celle-là, elle est mortelle pour les épaules. Voilà, il y a Miguel qui est là. Et donc là, on va pas faire du 4x10. Miguel va nous expliquer. On va faire du 18, 16, 12, isométrie, etc. Enfin, il va nous expliquer ça là. Comme tout à l'heure, on a fait. Comme tout à l'heure, on a fait. Avec les interlatérales. Aux élévations latérales. Ouais, exact. Donc alors, c'est, ouais, c'est quoi le problème? Là, c'est principe que pour le premier, juste on reste sur une fourchette de 14 à 18 reps. On retient la phase négative et explosif sur la montée. Voilà. Ça, voilà. Il n'y aura pas de drop set là? Non, pas sur ça. Ok. Série longue, 14, 18. Phase excentrique, pour ceux qui ne comprennent pas, on ne sait jamais, hein, c'est la descente, la négative en fait. Donc là, on va pousser fort ici, on va retenir, boum, explosif. On tient plus. Vraiment 3 secondes. Allez, tu retiens. Encore une. Hop. Ça va, allez, hop. Résiste. Retiens. Encore. Il y en a qui descend et l'autre qui descend. Retiens. Encore. Il y a de la veinasse. La veine elle sort là, quand tu comptes. C'est vrai, Miguel, il y a des outils. Il fallait faire une photo. Allez. Yes. 2. 3. Allez, hop, retiens. Bah!
tu me suis partout là. Bon les gars, là l'exo qu'on a fait tout à l'heure, c'est un super set. Élévation latérale et puis l'oiseau à la poulie on va dire, pour l'arrière d'épaule. Et là on va faire un dernier exo de poussée. Donc on va prendre cette machine mais on va le faire à l'envers. Pour on va dire taper moins sur le faisceau antérieur. On va essayer de taper un peu plus derrière. Elle a plus envie de parler. Ah je suis fatigué là. T'as avec l'effet là, c'est pas. Là vous êtes des anges les gars. Ouais. Donc du coup essayez, c'est pas mal de le faire à l'envers, vous allez voir c'est une autre sensation. Par exemple bah pour ceux par exemple qui veulent faire qui ont du mal pour le développer nuque derrière la tête, bah faites ça, c'est pas mal. Si vous avez une machine de ce type, bien sûr. La séance est déjà finie, je pense qu'on en a déjà assez fait hein. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Essayez parce que franchement on a c'est différent de ce qu'on fait d'habitude avec Joe. De toute façon à chaque fois avec Miguel il y a des phases excentriques Des trucs à la con. Ouais des trucs à la con body, ça peut même, ouais des trucs en mode body quoi. Mais c'est bien, ça sort de notre habitude hein. Ouais parce que nous d'habitude on est
beaucoup dans l'explosivité. Ouais, c'est ça. On essaie de contrôler, mais pas autant. Là, c'est vraiment du contrôle, le mouvement. C'est vraiment contre la descente. C'est le pump, on va vraiment rechercher le pump plus que la force, c'est pas de la force quoi. On va forcer sur un dos exo et après c'est vraiment ouais, c'est le tempo qui va faire. Ouais. On va sur la qualité musculaire, c'est ça, ça. C'est important chez nous. Voilà, en plus nous ça nous a fait du mal vu qu'on est un peu en sèche avec Joe. Donc on espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de suivre Miguel, son Insta. Miguel Team S Protein. Voilà, il représente S Protein, la boutique à Reims. Mais pas que, il y a ses soissons. Les soissons aussi, voilà. Et soissons, voilà. Donc mettez un like. Ouais, partagez les gars. Ouais, on est en train de monter en ce moment, ça fait vraiment plaisir. Les vidéos tombent de plus en plus. J'espère que les gens ils nous découvrent, c'est cool. J'espère que d'ici là, on sera à 15 000 abonnés, ce serait bien. Ouais. Et puis, de toute façon, pour les 15 000, on vous prépare une petite vidéo. On va se confier à vous, on a un truc à vous raconter. Non, 20 000. Ah, 15 000, on vous raconte un truc. Et 20 000, on vous raconte un autre truc encore. Nos galères, quoi. La real life, thug life. De Reims City. Reims, ville maudite, comme dirait un pote Lil Jack qui rappe. Mais on est là, on lâche pas, c'est pas grave. C'est ça. On nous rabaisse pas, on monte encore plus haut, vous inquiétez pas. Et j'espère qu'un jour, vu que là Miguel il est passé à Reims, que nous bah on passera le voir. T'es où en ce moment? Dans quelle région? On va dire Nantes, entre Nantes et Verdun. Voilà, on ira là-bas et puis se faire une séance là-bas, ça nous fera bouger un peu de Reims quoi. Pour l'instant on peut pas, on a plein de trucs à faire, mais. De toute façon, Miguel, voilà, c'est le poteau. Voilà. Ça fait une paire d'années là, parce que. Moi, 4, 5 ans. Ouais. Pendant 6 mois, on se faisait la gueule. Ouais. Et après, ouais, on s'est parlé et en fait, on était devenus pas. Ouais, parce que dès qu'ils sont arrivés dans la salle avec son pote Ben, là, deux balaises comme ça, c'est la première fois qu'on voyait des bodybuilders qui faisaient des squats à 200 kg, etc. C'est quoi ça? Puis ils avaient une tête de vénère, mais en fin de compte, vraiment tranquille, gentil. Voilà. Donc, des fois, le premier abord, il faut pas trop chier au premier abord. Voilà, souvent, les gens, de temps en temps, on a l'impression qu'ils sont froids, et après, quand on casse la glace, comme on dit. Alors qu'inversement, ceux qui sont trop cool au début, souvent. Puis en même temps, quand on vient dans une salle, c'est pas pour sourire à tout le monde, on vient, c'est pour se buter. Pour entraîner dur. Voilà, du coup, des fois, on est focus dans sa tête et on a peut-être une tête fermée, énervée, mais parce qu'on est focus pour son entraînement. Après, dès qu'on casse la petite barrière, ouais, ça parle. C'est cool quoi. On se rejoint dans l'effort et dans le sport les gars, faut pas lâcher. Putain on est des vrais pipettes aujourd'hui. Ouais. Bref, bon, sur ce, partagez, likez et n'oubliez pas, no fake. Just training.